Pour une scène, je vois que tu as levé la main. Je te donne la parole. Dans ton propre colloque. Ah oui, merci. Oui, alors j'avais quelques petites questions pêle-mêle pour Célia et Vassili. Alors d'abord, Vassili, tu as parlé du problème de quantifier l'équité. Comment est-ce qu'on traduit les valeurs en données statistiques? À cela s'ajoute aussi que comment on va faire pour se mettre d'accord sur ce qu'est l'équité aussi. C'est-à-dire que déjà la notion d'égalité, on n'a pas la même selon les pays déjà dans l'Union européenne. Donc, on peut transposer ça à l'équité, a fortiori si on change d'échelle. Je ne suis pas sûre que ce qui soit équitable ou juste pour un Chinois, un Indien, un Français, un Anglais, etc., ce soit forcément les mêmes valeurs, les mêmes, voilà, on mettrait le curseur au même endroit. Par ailleurs, sur les biais que tu as identifiés, donc évidemment, il y a la question des données d'entraînement, des données d'entrée, des données d'entraînement. Et au-delà, comment on dépasse le problème d'opacité, d'inintelligibilité de l'IA? Alors, pas seulement pour les juristes, mais je pense notamment au système qui fonctionne par apprentissage. J'aime beaucoup la métaphore qu'il y a dans le rapport Villani qui compare le système de machine learning au développement cognitif d'un enfant qui se développe en observant le monde. Et comment est-ce qu'on fait? Alors, les biais peuvent évidemment résulter des données d'entraînement. Dans certains cas, c'est assez évident. Mais comment est-ce qu'on fait pour lutter contre des biais qui seraient développés de façon autonome, en quelque sorte, par ces formes d'IA? Et après, peut-être plus spécifiquement pour Célia, sur la question de la régulation des émotions, la proposition de règlement de la Commission sur la régulation de l'IA, alors, parle un tout petit peu de la régulation des émotions, mais elle est hors pyramide, on dirait que c'est un sujet à part. Il y a quelques obligations de transparence pour les algorithmes qui détectent des émotions. Je ne parle même pas de ceux qui associent des catégories sociales sur la base de données biométriques. Bon, restons sur la question des émotions, qui est déjà un sujet à part entière. Est-ce que vous avez une explication de ce traitement à part? Et enfin, de façon peut-être, je sais pas, intuitivement, j'ai cru sentir ça, mais je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas un changement de discours de Facebook ces derniers temps, notamment par rapport en réaction à la dernière lanceuse d'alerte et ce qu'elle a pu dire dans la presse et devant le Sénat américain? Il me semble que c'est un peu nouveau, mais peut-être ce n'est pas le cas. Où Facebook a dit, bon, nous, on a voilà, nos conditions générales d'utilisation, mais à un moment donné, la protection de la jeunesse, etc., ça relève, c'est aussi au législateur de prendre ses responsabilités. Alors, j'ai l'impression que jusqu'à présent, le discours, c'était plutôt, on s'autorégule, on va renforcer nos conditions d'utilisation, on va créer chaque plateforme son propre système de modération, de prévenir avec en mettant des filtres, en mettant des bandeaux pour avertir, en créant notre propre oversight board, comme tu l'as cité. Et là, j'ai l'impression que c'est la première fois que j'entends ça, de dire oui, mais à un moment, c'est aussi au législateur de prendre des mesures pour protéger la jeunesse. Donc, est-ce que c'est une amorce de changement de discours ou telle-belle, pardon. Je vous laisse peut-être commencer, Vassili, si vous le souhaitez, puis je répondrai ensuite à Bruno. Oui, merci. Moi, juste pour les algorithmes dynamiques, je pense que la solution est aussi prévue dans la proposition de règlement, c'est qu'il faut avoir des audits réguliers, c'est-à-dire voir de temps à autre comment tester les résultats de l'algorithme et voir dans quelle mesure il a évolué dans un sens contraire au règlement, aux objectifs du règlement. Voilà, du reste, je cède la parole à Célia. Je vais commencer par le changement de discours de Facebook. Il me semblait, mais là, tout se mélange un peu dans ma tête, qu'avoir déjà entendu Mark Zuckerberg tenir ce genre de propos, alors pas aussi clairement, mais ça, Winston va nous le dire mieux que moi, mais il me semble tout de même que, notamment lorsqu'il avait été auditionné par le Congrès, lorsqu'il avait lancé ses projets de monnaie privatisée, il semblait faire appel aux régulateurs pour quand même poser certaines lignes. Mais ça, c'est sous confirmation de Winston. Donc là, pareil,
Winston nous le dira fort mieux que moi. Il me semble que aux États-Unis, la protection des mineurs, des plus jeunes mineurs, fait l'objet d'une attention particulière. Il y a des lois spécifiques. D'ailleurs, la protection des données était conçue initialement pour ce type de public, si je puis m'exprimer ainsi. Donc ça, voilà, ça a confirmé avec Winston. S'agissant des émotions, la proposition de règlement IA, dans une première version qui semblait avoir fuité, saisissait justement l'emotional AI, enfin ces espèces de solutions d'intelligence artificielle qui sont aujourd'hui promues par différents acteurs, jusqu'à Amazon avec son bracelet connecté qui vous promet d'analyser vos émotions dans vos interactions avec les personnes que vous croisez, pour peut-être mieux gérer nos émotions nous-mêmes, enfin, peu importe. Cette première version semblait saisir dans l'article 5, donc au titre des solutions d'IA interdites, les émotions et d'ailleurs aussi certains dark patterns qu'on évoquait tout à l'heure. Et dans la version finalement publiée, on retrouve que dans l'article 52 du règlement, cette solution d'intelligence artificielle de reconnaissance des émotions et d'outils de reconnaissance biométrique, comme tu le disais, uniquement par des obligations de transparence. Ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que ces outils, leur fiabilité, elle est nullement démontrée, elle est même largement discutée par des controverses scientifiques nombreuses en la matière. Je ne vais pas dire que là, il y a beaucoup de marchands de pelles, mais on n'en est pas loin. Là, je reprends l'expression de Thierry Pénard, que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de fiabilité de ces outils, et donc il y a des risques de biais s'ils sont utilisés, notamment dans des procédures de recrutement, comme l'a souligné le défenseur des droits dans son avis sur les outils biométriques. Au-delà du problème de la fiabilité, on peut considérer que ces outils d'intelligence artificielle porteraient atteinte aux droits et libertés fondamentaux des individus. Et à ce titre, on pourrait même questionner la possibilité de les autoriser indépendamment de leur fiabilité. Et le Comité européen de la protection des données va, me semble-t-il, en ce sens de prôner une interdiction, sauf pour certaines utilisations du type santé et recherche. Recherche, ça me semble être discutable, santé, ça me semble être tout à fait important, notamment parce que la captation des émotions peuvent aider des personnes victimes de déficiences cérébrales notamment, ou même des personnes autistes dans le cadre de certaines phases d'apprentissage. Ça a été révélé dans les travaux justement autour de l'affective computing. Je m'arrête là parce que je pourrais être très bavarde sur le sujet. Monsieur Maxwell, je pense que je pense que votre image est figée. Des questions que vous ont été renvoyées. Peut-être voulez-vous intervenir. À moi. Sur certaines précisions. Sur la responsabilité du législateur aux États-Unis. Oui, c'est on est à une époque depuis 2-3 ans où, qu'on soit républicain ou démocrate, on déteste tous les deux Facebook. Donc, c'est un des rares sujets où il y a un accord. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y aura un quelconque accord législatif, parce que le Congrès américain ça va un peu mieux maintenant, mais c'est assez dysfonctionnel. En revanche, ce qu'on constate, c'est que le FTC, qui est maintenant une patronne, Lina Khan, FTC a un mandat très, très large de protéger les consommateurs et cette autorité de régulation n'hésite pas à utiliser tout son pouvoir en droit de la consommation pour attaquer les algorithmes, la protection des données personnelles, etc. Donc, j'ai plus espoir dans l'action du régulateur FTC. Allez-y. Oui, moi, j'aurais une question pour Célia, parce qu'elle a évoqué tout à l'heure l'idée d'avoir des nouveaux droits pour les utilisateurs. Et je vois que aussi dans le chat, il y a une question là-dessus. Et ma question serait, ces nouveaux droits seraient liés à la protection de données, aux droits des consommateurs, ou seraient des droits indépendants, autonomes, pour les utilisateurs de plateforme? Comment est-ce que vous savez ça, vous imaginez ça? Alors, pardon, ce que vous me posiez comme question, c'est si elles seraient rattachées aux droits des données à caractère personnel ou si c'est des nouveaux droits
D'accord. Oui, ou à d'autres catégories déjà existantes, consommateurs ou autres, ou ce serait des droits autonomes? Alors, lorsque... Il y a différentes façons de penser le sujet. Il me semble que s'agissant de ce nouveau droit au paramétrage, que j'essaye de réfléchir, qu'on a continué à penser au cours des travaux qu'on a menés au sein de la CNCDH, il ne me semble pas complètement se rattacher uniquement aux données à caractère personnel, interroger d'autres enjeux. On a essayé de réfléchir à un fondement juridique idoine. Je vous avoue que pour le moment, ça doit être encore solidifié. Il y a plusieurs stratégies possibles si on veut le pousser, soit d'imaginer que il s'agirait d'une protection du consommateur et ça permettrait peut-être de le faire basculer sous l'égide de certaines législations. Moi, dans l'idéal, dans un monde parfait, je pousserais bien la recommandation dans le cadre des négociations du Digital Services Act. On le voit en germe au travers, dans mon souvenir, l'article 25 qui met à la charge des très grandes plateformes des obligations supplémentaires et notamment des obligations de neutralité. D'offrir une option de neutralité à leurs utilisateurs et éventuellement ici il s'agirait de renforcer et de leur proposer aussi le droit de modifier les paramètres, ce que font déjà certaines plateformes, mais il faut avoir fait des études d'ingénieurs poussées où ils consacraient beaucoup de temps avant d'arriver à modifier l'ensemble des paramètres. Donc là aussi il y a des espèces de dark patterns, si je puis dire, parce que l'option existe dans certaines grandes plateformes, mais tout est fait pour décourager l'utilisateur d'aller modifier ses paramètres. Donc, ça me semble être une pratique qui ne se conforte pas à une obligation transversale de loyauté. Donc, voilà le fondement que j'aurais tendance à promouvoir pour consacrer ce nouveau droit au paramétrage. Très bien. Alors, je ne sais pas si on a le temps de prendre d'autres questions. Je me tourne vers Brunsen parce que là, je vois qu'il y a deux questions dans le chat et on est un petit peu en... On reprend le prochain panel avant. Après une pause. Encore 4 minutes. Il n'y a plus de pause. Donc, on peut prendre les questions ou... Une dernière. Une dernière. Oui, on va prendre la dernière alors. Question. Il y avait le problème d'accès aux algorithmes pour faire les contrôles. Avec la question, donc, on imagine qu'on revenait sur la question de la boîte noire, hein, fantasme juridique ou pas, des algorithmes. Et autre question, l'autorégulation. Allez, on revient sur la souveraineté numérique. Chimère. Alors là, on revient peut-être sur des questions de droit international public classique et est-ce que la souveraineté peut être une souveraineté numérique et autres. Je ne sais pas si l'un de nos intervenants souhaite se lancer sur ce débat de la souveraineté numérique. Personnellement, je viterai. C'est très courageux, merci. Non, je viterai, je dis, je ne suis pas courageux. Au contraire. Sur l'accès aux algorithmes, je vais me lancer. Une des principales pistes aujourd'hui pour contourner les problèmes de secret d'affaires et de droit de propriété intellectuelle, quand bien même il n'y ait pas de droit de propriété intellectuelle sur les algorithmes, je le précise, directement pour le moins, c'est justement cet accès aux données. Et c'est pour ça, comme je le rappelais tout à l'heure, que les dispositions en ce sens promues par les réformes européennes sont essentielles. Timothy Paris évoquait tout à l'heure la régulation par la data. Donc, c'est un peu en ce sens pour permettre un contrôle du régulateur sur le fonctionnement des algorithmes, pour permettre aussi aux chercheurs d'aller, j'allais dire,
tester des solutions, mais alors ça, encore une fois, Winston étudie tout cela très bien dans sa chaire pour lancer des algorithmes concurrents aussi pour aller tester les algorithmes sans ouvrir la boîte noire. Et c'est d'ailleurs un peu ce que faisait l'équipe de Dominique Cardon avec son algorithme de détection des traces antisémites, avec une puissance de développement bien moins importante évidemment que les grands réseaux sociaux, mais ça permet quand même de mettre en discussion le fonctionnement des algorithmes des grands réseaux sociaux sans pour autant demander à avoir des précisions sur ceci. Donc, avoir accès aux données et dans le prolongement de la mission Facebook au sein de laquelle avait participé Serge Habitboul, on a cette demande très forte d'accès aux données pour renforcer la recherche sur ce point. Donc ça me semble être une voie importante et qu'il faut un cap qu'il faut maintenir dans les négociations des réformes européennes en cours. Sur la souveraineté, il y a plein de choses à dire. Valéria Formosian l'évoquait tout à l'heure, il y a des jolis rapports qui sont rendus en la matière. Évidemment, c'est la question principale, celle de la souveraineté qui est éminemment politique. Mais ça, Valéria Formosian me semblait déjà avoir rappelé cette problématique avec la nécessité, peut-être illusoire aujourd'hui, mais qui doit être poursuivie, de développer aussi nos champions européens et de contrôler, d'assurer une certaine forme de souveraineté, pas uniquement par le droit, mais au niveau du développement de différentes techniques, sans évoquer la question, bien sûr, du Health Data Hub qui nous agite tous aujourd'hui et qui soulève aussi cette question de souveraineté. Juste pour dire, je crois que la loi du 24 août dernier prévoit que le CSA peut avoir accès à des données pour évaluer l'effectivité des algorithmes. Donc, c'est déjà un début dans le sens de ce que disait Célia Zulinski. Parfait, merci. Nous allons devoir clôturer ce panel, même si il y a encore beaucoup de questions qu'on aurait pu aborder. Et je laisse ma place, je cède la place. Voilà, merci à tous.